Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Analyse Hebdo. Comme chaque semaine, vous le savez désormais, nous revenons sur ce qui fait l'actualité en Guadeloupe et ailleurs grâce à l'expertise de Georges Calixte, politologue et docteur en sciences politiques. Bonsoir Georges. Bonsoir aux téléspectateurs d'Éclair TV, merci surtout de nous accompagner chaque vendredi et les autres jours d'ailleurs. Tout à fait. La question du retour des jeunes sur le territoire, le point sur la crise sociale, la règle des 500 parrainages pour les présidentielles et la situation en Ukraine sont les thèmes développés aujourd'hui. Les membres de l'association Alevini ont lancé une plateforme numérique pour inciter au retour au pays. Ils ont ainsi signé une convention de partenariat avec les institutions. Vous avez apporté des précisions sur ce sujet, Georges. Qu'en est-il aujourd'hui du retour des jeunes en Guadeloupe? Oui, donc vous avez cité l'association Alevini, qui essaie de faire l'interface entre les institutions et le monde socio-économique local et des jeunes qui sont à l'extérieur, qui ont dû partir pour, en tout cas, des objectifs que nous allons essayer de comprendre. D'abord, constatons bien la pertinence de l'initiative, en tout cas, de Alevini. Et vous verrez que non seulement cette initiative est pertinente, mais elle est salvatrice, puisque nous sommes en train actuellement de perdre une frange de la population qui constitue la base de l'ingénierie et surtout du potentiel de travail d'une société. Et cette initiative est d'autant plus louable qu'en réalité, elle anticipe une menace qui est incontestable, à savoir la disparition des forces vives de la société guadeloupéenne. Alors vous avez des chiffres, il me semble. Alors voilà, analysons. Le tableau qui s'affichera certainement à l'écran. Et nos téléspectateurs constateront que l'évolution de la Guadeloupe entre 2015 et 2020 montre nettement cette diminution. Alors déjà, concernant l'âge zéro, donc les naissances, vous constatez qu'en 2015, il y avait 13 645 naissances hommes masculins. Il n'y en a plus que 9077 en 2020. Et que s'agissant des femmes, il y avait 13 050 naissances en 2015. Il n'y en a plus que 8 947 en 2020. Donc déjà, au niveau de la fécondité, il y a un problème. Mais nous l'avons développé antérieurement. Intéressons-nous surtout à la tranche de 20 ans. Et on constate qu'au niveau des 20 ans, en 2015, il y avait 10 575 hommes qui avaient cette tranche de la vingtaine, en tout cas 20 ans. Il n'y avait plus que 8 871 en 2020. Et chez les femmes, 10 374. Et en 2020, 8 892. Question ? Mais où passent ? Où sont-ils passés ? Où sont-ils passés ? Et vous verrez qu'ils ne sont pas très loin dans la mesure où 95% d'entre eux ont fait le choix d'émigrer, nous verrons tout à l'heure pourquoi, et surtout vers l'Hexagone. Et le tableau qui vous est présenté, regardez qu'en 1954, il y avait à peine 12 000 natifs des DOM qui résidait dans l'Hexagone, tout d'homme confondu. Et quand on voit le cas de la Martinique, de la Guadeloupe c'est le Lisiéré en rouge, qui montre l'évolution des départs vers l'Hexagone et surtout le nombre de natifs des DOM en métropole, on constate qu'il y a une augmentation flagrante du nombre de départs vers l'Hexagone. Et j'attire l'attention des téléspectateurs sur la partie gauche du tableau où on constate que le fait générateur de cette migration s'est marqué création du Bumidom en 1963. Et qu'on constate que depuis cette création, il y a un déplacement massif de population vers l'Hexagone et qu'à partir de 1982, le Bumidom a été remplacé par l'ANT. Donc c'est vrai qu'il y a un certain nombre de dispositifs qui, naturellement et sous le plan institutionnel,
incite nos jeunes à partir vers l'Hexagone. Donc, l'association Alevini veut les faire revenir. La question est de savoir qu'est-ce qui les fait partir de manière à créer sur place les conditions de l'attractivité pour leur permettre de retourner. Et vous avez deux approches. Pour ma part, j'en retiendrai une, c'est l'approche dite du capital humain. Cette approche du capital humain part de l'idée que ce qui détermine à l'émigration, hein, on parle d'émigration à différencier de l'immigration, c'est surtout la représentation que chacun d'entre nous se fait de son potentiel humain et des chances qu'il a de pouvoir avoir des conditions de vie en corrélation avec son potentiel humain. L'intérêt, pardon, de cette approche, c'est qu'un des critères fondamentaux de cette théorie du capital humain, c'est la formation. Nos jeunes sont de mieux en mieux formés. Ils ont également une tranche d'âge, plus de 82% d'une tranche d'âge réussie au baccalauréat. Donc, nos jeunes, lorsqu'ils font une analyse coût-avantage, se disent que si je veux investir mon potentiel, avec bien évidemment la chance que ce potentiel me permette d'avoir des conditions de vie meilleures, beaucoup disent qu'ils ne trouvent pas cette perspective, en tout cas ces opportunités à la Guadeloupe. Ils ont donc cette propension à émigrer vers l'Hexagone à 95%. Mais n'oublions pas que le Canada, qui est tout près de nous en tout cas, absorbe bon nombre de nos jeunes. Donc en fait, plus il y a un niveau de formation élevé et davantage il y a cette propension à partir. Le deuxième critère qui a été mis en évidence par la théorie du capital humain, c'est bien évidemment les formations. Avec l'information qui circule, les jeunes sont attirés par de plus en plus de formations qu'ils ne trouvent pas sur place. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs l'ANT a été mise en place. L'université des Antilles, il faut le reconnaître, a fait un effort considérable en ouvrant de nouvelles formations. Il y a une formation continue à l'université des Antilles qui, en fonction des besoins des acteurs institutionnels ou du monde socio-économique local, peut mettre en place des formations spécifiques, soit par ressources internes, soit en collaboration avec d'autres universités. La région Guadeloupe aussi a mis en place plusieurs initiatives, avec notamment son plan Action Jeunesse. Son plan Action Jeunesse, entre autres. Mais on constate, si vous voulez, que ça n'empêche pas cette hémorragie, à savoir que des formations sont de plus en plus, en tout cas prisées, à l'extérieur. Troisième élément que met en place cette théorie du capital humain, maintenant plus psychologique, ce sont les intérêts moraux, matériels, qui viennent à côté des intérêts financiers. Vous trouvez à travailler dans l'Hexagone, vous trouvez un espace, en tout cas un emploi qui correspond à ce que vous évaluez de votre capital humain. Donc plus vous êtes diplômé, plus vous allez espérer avoir un emploi, en tout cas qui correspond à cette catégorie. Vous construisez, vous fondez famille sur place, et par conséquent, vos intérêts moraux et matériels se retrouvent dans l'Hexagone ou ailleurs. Donc toute la grande problématique d'Alevini, c'est de pouvoir créer des conditions qui pourraient déterminer chacun en fonction de son potentiel humain de pouvoir retourner sur place à la Guadeloupe en mettant bien évidemment en avant des éléments financiers mais des éléments qualitatifs s'agissant du niveau de vie. Pour l'instant, on ne peut pas dire que cette dynamique soit correctement mise en place, mais les élus, dans leurs 29 propositions de la dernière plateforme, ont parlé du recrutement, je crois, de 175 jeunes. À mon avis, ce n'est pas suffisant. Et il est possible de faire mieux. Dans la fonction publique territoriale à la Guadeloupe, un peu moins de 15 000 agents, il y a 88% qui sont de catégorie C, 7% qui sont de catégorie B et seulement 5% de catégorie A. Les catégories A concernent en particulier ceux qui ont le master ou le doctorat,
les catégories B en particulier, ceux qui ont la licence. Et une fonction publique ne peut pas fonctionner efficacement avec 5% de cadre de conception et 7% de cadre d'organisation. La solution, chaque fois que deux fonctionnaires de catégorie C partent à la retraite, il faut envisager le recrutement d'un fonctionnaire de catégorie A, de manière à arriver environ à 30 à 35% d'encadrement de catégorie B et de catégorie A, alors que je rappelle qu'actuellement c'est 7 et 5%, donc c'est finalement 12%, trois fois moins. Autrement dit, cette perspective existe. Vraiment, en ce qui me concerne, je la salue. Cependant, il ne faut pas trop se faire d'illusions. Il y a également un contexte à apaiser à la Guadeloupe. Il y a également des politiques publiques qui doivent être plus efficaces en matière d'eau. Vous allez quitter l'Hexagone où vous avez vos intérêts moraux et matériels, où vous n'avez pas de problème d'eau, alors que vous avez des contacts avec la Guadeloupe. On vous dit, oui, mais si tu viens, manifestement, tu n'auras pas d'eau tous les jours. Vous savez, c'est autant de facteurs qui font que l'initiative d'Allez Vigny doit pouvoir interpeller les élus sur la création des conditions à la fois financières, mais également existentielles, pour permettre effectivement de vivre dans des conditions, en tout cas, de renforcer l'attractivité du territoire guadeloupéen. Bien, je vous propose de passer au deuxième sujet de la semaine. Un point sur la crise sociale vous attend dans un instant. Georges Calixte, dernièrement, des élus guadeloupéens ont élaboré une plateforme de propositions pour sortir de la crise. Les manifestations contre l'obligation vaccinale sont moins nombreuses et des soignants sont toujours suspendus. Où en est-on dans cette crise sociale? Vous l'avez dit, il n'y a pas eu de manifestation, en tout cas de grande ampleur. Il faut noter qu'un personnel administratif a pris l'initiative d'une grève de la faim. Il est suspendu. Que par ailleurs, l'établissement français du sang avait bénéficié d'une dérogation, mais à partir du 1er mars, il y aura donc application des suspensions. Et donc, on est dans une situation où je voudrais rappeler que même si le préfet a différé l'application du pass vaccinal, les suspensions sont liées au pass sanitaire. Et par conséquent, ça applique la preuve, c'est que l'établissement français du sang va les appliquer à compter du 1er. Maintenant, je me suis posé la question, et souvent on m'interpelle, mais comment se fait-il que les élus ont une plateforme, en tout cas, de propositions, 70 pages, 29 propositions autour de trois axes, et qu'il n'y a toujours pas eu d'engagement du dialogue avec le collectif? Mais il faut savoir que cette plateforme, et ça vous surprendra, complique les choses plus qu'elle ne rapproche les deux parties. Imaginez-vous que les élus ont déjà leurs objectifs et les ont déjà chiffrés. Je ne connais pas de négociation avec les partenaires sociaux qui aboutissent à des conclusions plus basses que les premières prévisions financières. Ça veut dire que si les élus engagent le dialogue autour, même autour de leurs objectifs avec les organisations du collectif, il y aura de toute façon modification de ces objectifs. Mais non seulement il y aura modification des objectifs, mais il y aura de toute façon également des conséquences financières qui dépasseront certainement les 945 millions d'euros qui ont été évalués, même si ces 945 millions ont été évalués un peu à la louche, il faut dire les choses telles qu'elles sont, puisque les sources de financement, en tout cas les modalités, ne sont pas suffisamment bien précises. Mais là n'était pas le problème. Le président de la République doit tout à l'heure s'entretenir avec les élus. Il fallait qu'ils aient un document où apparaisse une responsabilité demandée à l'État. Je crois que l'État, c'est 450 millions d'euros. Et c'est vrai que, paradoxalement, cette plateforme nécessite non seulement qu'on dépasse les préalables, mais que les élus acceptent en plus de revenir sur leurs propositions et surtout de revenir sur le chiffrage de ces propositions. Donc, ne croyez pas que les choses en tout cas, vont se décanter très rapidement.
On rentre dans la phase du carnaval, donc bien sûr, il y a ce qu'on appelle la trêve festive et sociale, mais la rencontre entre les deux aura certainement lieu, mais va donner naissance à encore plus de crispation qu'il y en avait au préalable. Bien, je vous propose de passer au troisième sujet de la semaine. 500 parrainages sont nécessaires pour se présenter officiellement aux élections présidentielles. Certains grands candidats peinent à rassembler autant. Plus de détails avec vous dans un instant. Georges Calixte, d'où vient cette règle des 500 parrainages obligatoires pour se présenter aux élections présidentielles ? Trois étapes. Lorsqu'a été instaurée l'élection présidentielle au suffrage universel direct en 1962, il fallait déjà de 100 parrainages. Sous Giscard d'Estaing en 1976, ce nombre de parrainages est passé à 500 avec 30 départements différents et aucune collectivité ne peut donner plus de 50 parrainages. Il y a en France grosso modo 42 000 personnes qui peuvent parrainer, un peu moins de 120 à la Guadeloupe. Et donc, ça a été jusqu'en 1976. Cependant, en 2016, a été rajoutée une clause supplémentaire, à savoir que quand vous parrainez, votre nom apparaît très clairement au niveau du Conseil constitutionnel. Et c'est là où on a constaté qu'il y a eu le maximum de réticence. Parce que il faudra distinguer la légitimité politique et l'affinité politique. La légitimité politique, vous l'avez acquise par l'élection et le suffrage universel. Par contre, l'affinité politique, c'est un choix personnel. Et même s'il n'y a pas de corrélation effective entre le candidat que vous parrainez et votre choix politique, mais ce sera toujours regardé comme étant effectivement une forme d'affinité par rapport à un candidat. Et vous avez constaté que si les candidats peinent, parce qu'à un moment donné, ils auront ces 500 signatures, c'est que les acteurs attendent au tout dernier moment que les acteurs majeurs se prononcent pour que les maires eux-mêmes puissent s'engager plus directement pour éviter toute forme de friction ou de frustration ou d'interrogation concernant leurs différents choix. Donc, premier élément, ces 500 parrainages ont également des conséquences sur le plan politique. Mais quel est l'intérêt d'avoir mis ces 500 parrainages? Autrement dit, de filtrer. Je vous rappelle qu'en 2002, malgré ce filtre, en 2002, il y avait quand même 16 candidats à la présidence de la République. En fait, on peut estimer que ce filtre était nécessaire pour trois raisons. D'abord, pour des raisons politiques. Si tous les ténors locaux se sentent une dimension nationale, et décide de se présenter sans filtre, ben écoutez, vous aurez à voter pour plusieurs dizaines de personnes. Premier élément. Deuxième élément, on a constaté que les partis politiques se sont considérablement multipliés. Rappelez-vous, jusque vers le début des années 2000, il y avait la gauche, il y avait la droite, il y avait l'extrême droite. D'ailleurs, Jean-Marie Le Pen est arrivé en deuxième position aux élections présidentielles. Et par conséquent, entre-temps, il y a eu de nombreux partis alternatifs, donc y compris celui de l'actuel président, La République en marche. Et donc, si chaque parti, en plus, décide d'envoyer des candidats à la présidentielle, parce que François Hollande ou Jacques Chirac, voire François Mitterrand, ont été présidents de parti, ça renforce encore le nombre de candidats. Enfin, il faut savoir que je reste persuadé que la fonction politique s'est désacralisée avec les réseaux sociaux. Chacun d'entre nous peut se sentir potentiellement à même de pouvoir conduire le destin de la nation sur le plan des institutions. Et par conséquent, ça ne ferait que renforcer encore la velléité, en tout cas la propension de certains à se présenter. Donc il fallait filtrer. Honnêtement, certains disent qu'il s'agit là d'un filtre antidémocratique, parce qu'effectivement, quand on voit que quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon, voire Marine Le Pen, ont quelques difficultés, alors qu'ils ont toute leur place dans le débat politique, c'est vrai que c'est difficile, mais a priori, le Premier ministre a lancé un appel pour qu'il puisse y avoir des parrainages et que la démocratie existe, en tout cas puisse trouver du sens à la présidentielle. Je reste persuadé que les derniers candidats qui en connaissent des difficultés, il leur reste encore 8 jours, verront en tout cas cette condition constitutionnelle réunie.
Bien, je vous propose de passer au dernier sujet de la semaine et non des moindres, vos précisions sur la guerre en Ukraine dans un instant. En ce vendredi 25 février, 137 Ukrainiens ont été tués et plus de 300 blessés dans les premières 24 heures de l'offensive russe en Ukraine. Kiev, la capitale ukrainienne, est encerclée. Selon Washington, Moscou cherche à décapiter le gouvernement ukrainien pour installer un régime pro-russe. L'Occident répond par des promesses de sanctions. Va-t-on vers une troisième guerre mondiale, Georges Calixte ? Alors, la réponse est non. La réponse est non, parce que dans un deuxième temps, j'expliquerai les raisons géostratégiques. Ce qui se produit par contre à l'heure actuelle n'est absolument pas différent de ce qui s'est produit, rappelez-vous, au début de la Deuxième Guerre mondiale. L'Allemagne avait une population germanophone en Autriche, elle envahit l'Autriche, l'Anschluss. Il y avait une population germanophone dans les Sudètes. Elle envahit d'abord les Sudètes, bien évidemment, la Tchécoslovaquie, avant d'envahir la Pologne. Alors, pour l'Ukraine, il faut savoir qu'il y a trois zones où il y a une forte concentration de ce qu'on appelle des russophones et des russophiles. Il s'agit de la Biélorussie, du Donbass et de la Crimée. Et Moscou, prétextant justement l'existence de séparatistes pro-russes dans ces zones, a dit « Mais écoutez-moi, je voudrais tout simplement harmoniser mon territoire et cette harmonisation passe par l'intégration et l'annexion de ces territoires en raison de leur caractère très proche, ne serait-ce que sur le plan linguistique, de la Russie. » Mais ce n'est pas seulement le véritable problème. En faisant l'analyse, on constate que l'Ukraine a demandé à l'OTAN la possibilité d'intégrer l'OTAN. Dans l'hypothèse où l'OTAN donne un avis favorable, il y a deux éléments qu'il faut prendre en considération. L'article 5 de la Charte de l'OTAN dit que tout pays de l'OTAN qui est attaqué militairement entraîne automatiquement une réponse tout autant militaire de la part de l'OTAN. Vous comprenez très bien que Vladimir Poutine n'a aucun intérêt à ce que l'Ukraine intègre l'OTAN. Puisque si l'Ukraine avait déjà intégré l'OTAN, je vous signale qu'il ne pourrait pas faire ce qu'il fait actuellement, sinon à accepter d'affronter quasiment l'Occident, puisque les États-Unis font partie, contre les Russes. Et ils savent qu'ils ne font pas le poids. Donc, il y a des raisons historiques et linguistique et certainement de communauté d'intérêt, mais il y a une course contre la montre que la Russie puisse envahir l'Ukraine de manière à ce qu'elle n'obtienne pas, en tout cas, son adhésion à l'OTAN. Et certains me disent, mais comment se fait-il que les gens parlent, en tout cas les pays européens parlent ou les présidents s'expriment, mais personne n'envahit. Personne n'envahit ou n'envoie de renforts militaires. D'abord parce que l'Occident, exactement comme ça s'est produit pour la Deuxième Guerre mondiale, actuellement rechigne d'envoyer des soldats qui risquent de mourir. Mais surtout, écoutez, on est dans une situation où l'OTAN n'a aucune obligation d'intervenir en Ukraine, puisque l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. Malgré la demande du président ukrainien. Malgré la demande du président ukrainien. Mais cette demande a été prise en considération. Et c'est ce qui a précipité justement les événements, en tout cas l'invasion par la Russie, de manière à ce qu'il puisse y avoir une décapitation du régime actuel, le placement d'un autre président de la République, et le président avait été élu démocratiquement. Après, on peut lui reprocher des stratégies très dictatoriales. Écoutez, là, ce n'est pas, si vous voulez, le sujet. Mais ce que veut Moscou, c'est placer un président de la République qui ne demandera pas l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, sachant que dans tous les territoires de l'OTAN, il y a des missiles. Ça veut dire que là, vous avez des missiles à quelques dizaines de kilomètres de la Russie, ce qui permet, en cas de guerre nucléaire, de détruire totalement la Russie en l'espace d'un moment. Donc, vous comprenez très bien qu'il y a à la fois des intérêts historiques, linguistiques, mais également un intérêt géopolitique. Et je voudrais dire une dernière chose. Il y a un pays qu'on entend très peu, c'est l'Allemagne. L'Allemagne a accepté de démanteler ses centrales nucléaires au nom d'une approche très écologiste de la production d'énergie.
Mais il ne lui reste que 3 centrales. Par contre, les centrales, elle en a détruit 9. Où croyez-vous qu'elle tire l'énergie pour les remplacer? Mais tout simplement du gaz russe. Du gaz russe. Et si les Russes disent, moi, je ferme le robinet de l'Allemagne, ben l'Allemagne est tout simplement à genoux sur le plan économique. Et ce n'est pas seulement la Russie, il y a également la France et puis d'autres pays autour qui vivent beaucoup du gaz russe. Donc, il y a, si vous voulez, cette conjonction qui fait que l'invasion russe aura des conséquences en termes de sanctions. Mais moi, j'ai même été surpris, il n'y a pas très longtemps, donc je lisais un article de Jean-Luc Mélenchon qui encensait Vladimir Poutine en disant que c'est le modèle de l'anti-américanisme. Alors, je comprends que Marine Le Pen ou Éric Zemmour aient quelque affinité pour Vladimir Poutine, puisqu'il s'agit là non pas d'un régime dictatorial, mais d'un régime autoritaire. Hein, il faut faire la distinction entre les deux. Mais quand Jean-Luc Mélenchon dit « mais finalement Vladimir Poutine, c'est le modèle de l'anti-américanisme », donc à ce titre, il lui accorde quelque affinité, je vous avoue que j'ai été surpris. Donc il n'y aura pas de Troisième Guerre mondiale, il y aura des sanctions, il y aura certainement des échauffourées économiques avec le gel des avoirs soviétiques, mais quant à dire que dorénavant, comme certains le pensent dans l'opinion publique, qu'on enverra des milliers de Français en Ukraine pour se battre contre les Russes, la réponse est non. Parfait. Merci Georges pour vos analyses pertinentes. Merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis. On vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour un prochain numéro d'Analyse Hebdo. Passez une excellente semaine sur Éclair TV.